bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, on se retrouve en ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Je suis tellement content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu. Et pour cause, vous le voyez sous vos yeux, tout simplement parce que voilà, je me suis vraiment bien amusé. Il y a eu énormément de changements et je suis trop excité, vous m'en direz des nouvelles. J'ai peur que la vidéo dure une heure, mais en tout cas je compte sur vous pour liker, hein, liker, commenter, dire ce que vous en pensez, donner vos avis, etc. Donc voilà, je suis bien content. Les amis, je sais même pas par quoi commencer, pour ainsi dire. Voilà à quoi ressemble le parc actuellement. On va prendre un petit peu plus de hauteur. Voilà à quoi ressemble le parc actuellement. On commence à partir sur quelque chose de relativement lourd et je suis très content. Voilà, je suis très content. Je vais mettre le jeu en pause pour gratter quelques FPS. Et les amis, j'ai fait une entrée. Alors, l'entrée, franchement, je vais vous dire un truc. Bah, en vrai, je suis content. Je suis content parce que, après, il faut pas oublier. Alors, attention, je vous vois venir. Hein, je suis déjà en train de me décrédibiliser, mais vous inquiétez pas. Mais je vous vois venir. J'ai commencé l'entrée, c'était éclaté au sol et j'ai perdu patience, etc. Et en fait, j'ai pris quand même 3 jours. Alors, 3 jours pas intenses, hein, mais 3 jours pour arriver à ce résultat. Donc, finalement, je suis content parce que bah, c'est un petit peu comme j'imaginais. Le parc n'est pas censé être un parc comme Europa Park. C'est pas un parc immense. Alors, il y a du budget, il y a des nouvelles attractions que je vais vous montrer et je suis trop content. Il y a du budget, mais ça reste un parc qui est pas, c'est pas Europa Park quoi, voilà. Donc l'entrée, je voulais pas un truc grandiose. Alors je vous montre un petit peu, voilà, il n'y a pas de parking, il n'y a rien. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein, franchement, qui sait, il y aura peut-être un jour un parking. Je sais pas encore comment je pourrais faire ça vu qu'il n'y a pas de place derrière, sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà, pour l'entrée, j'ai juste fait ça. Ça c'est pour le fun, hein, rien de très, voilà, tout ce qui est ici on s'en fout, c'est à partir de là que ça commence. Donc vous voyez au niveau de l'entrée, alors j'ai pas fait d'affiche, peut-être qu'on fera une affiche ou peut-être qu'on va laisser ce panneau là, j'en ai aucune idée, avec les flèches ici, avec, vous voyez, tu passes là, je suis trop content, j'ai mis les barrières et tout, j'ai fait un petit peu de déco intérieur, genre là avec les gens pour récupérer les billets tout simplement, voilà, là il y aura des panneaux, enfin c'est des télévisions avec les prix affichés, je n'ai pas encore fait mais je le ferai je pense un jour, j'ai fait des lampadaires, alors franchement ça c'est des lampadaires du parc, voilà je vous le dis, je suis content. Au moins ça éclaire bien, c'est un peu design et c'est original. Même si je pense que, bah voilà, n'importe qui peut le faire. Tu prends un lampadaire, tu le dupliques et tu le fais en 4 fois. Et ça rend un truc très sympa. Et vous allez voir parce que j'ai enfin travaillé le parc de nuit. Voilà, je mettrai la nuit tout à l'heure mais je suis très content. Donc voilà avec ici des fleurs, un petit accès pour le personnel. Évidemment il faut quand même arroser les plantes, prendre soin des plantes, etc. Donc là pareil, le personnel peut passer par là, tac, pour rentrer là à l'intérieur et puis voilà, faire les guichets. Donc voilà, je suis assez content, vous m'en direz des nouvelles. J'ai pas trouvé sur le Steam Workshop, si vous connaissez des mods, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour avoir des personnes fictives ici. Et non pas des animatronics, mais vraiment des personnes du staff qui s'occupent de là, voilà, de s'occuper des billets. Bonjour, au revoir quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Regardez, ils font demi-tour eux. Ils voulaient partir du parc et ils y retournent tellement c'est bien. Voilà, la place principale, boum, regardez-moi ça les amis, ça a bien changé, c'est léger, non les changements sont légers mais c'est quand même sympa, bon déjà les lumières au sol, les lampadaires, tout ça vous verrez de nuit, les toilettes ici ça ne bouge pas, ici j'ai rajouté une petite boutique de souvenirs parce que j'ai regardé les appréciations générales. Juste regardez mes bénéfices mensuels, c'est négatif mais c'est en train d'augmenter, c'est à dire que je suis en train de payer mes dettes on va dire, parce que en fait mon parc devient de plus en plus rentable. Je vais vous expliquer ma stratégie tout à l'heure, je suis très content. Donc vous voyez les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas trop de boutiques souvenirs, donc j'en ai mis une ici avant de partir, c'est toujours sympa. Ici évidemment le distributeur, j'ai ajouté des distributeurs de billets, donc pour payer les attractions sur place parce que je sais pas encore comment ça se passe, aussi pour les tickets resto, enfin voilà, pour manger quoi finalement, parce que bon là les à l'entrée c'est par carte bancaire tout ça, en vrai le parc et l'entrée est gratuite, hein, donc je sais pas encore comment on gérera ça. Là c'est nouveau, la zone backstage, je suis en train de travailler sur des zones backstage, il y en aura deux, il y en a deux dans le parc, à savoir ici et il y en a une nouvelle là-bas, je vous la montre après, je suis trop content, vraiment je suis trop content. Je vous montre un petit peu, donc sur la droite, donc là ça ne change pas, ici il y a les boutiques, disons pour boire et manger, parce que c'est important de s'hydrater. Et voilà ce que j'ai ajouté, donc pour faire vraiment une belle zone pour les employés, donc avec des grillages, bon là ça manque encore, on verra ce que je mettrai, peut-être petite attraction, je ne pense pas, mais je pense qu'il y aura des trucs ici. Il y aura des trucs ici pour habiller, mais en tout cas voilà, avec les petits panneaux accès interdit au personnel non autorisé, voilà, donc avec accès aux distributeurs ici. Distributeurs, c'est pas moi qui les ai faites, je suis reparti sur le modèle qui existe déjà, et j'ai un peu customisé à ma sauce pour qu'il y en ait 3 et que ça rentre bien. Voilà, ça c'est vraiment le seul truc que j'ai fait, que j'ai pas fait. Voilà, ici derrière l'accès évidemment pour bah là le guichet tout simplement.
Vous avez vu, c'est intelligent de ma part, je sais. Merci. Donc voilà, j'ai refait un petit peu l'espace détente ici, avec l'ébène ici. J'allais faire une mauvaise blague. J'allais faire une blague douteuse et je me suis calmé. J'ai tourné ma langue. Donc l'ébène ici. Des petits, comment on dit, les petites voitures de golf. Bien sympa, j'ai fait le test hein. Dans tout le parc, tout est accessible, à part les escaliers pour les attractions, mais tout est accessible dans le parc pour rouler avec les golfs, donc ça c'est juste parfait. Donc voilà, ici je rajouterai beaucoup plus de choses pour les employés, pour qu'ils soient détendus, mais je vous le dis, les employés sont très contents, sont très heureux. Croyez-moi sur parole. De toute façon, regardez-le là. Il a le smile. Elle a le smile, et pourtant, elle est payée moins cher que les autres. Et je dis pas ça parce que c'est une femme. Hein. Pareil, donc là, il a le smile, il est content. Lui, il rentre, est-ce qu'il est content? Il est content, il rentre mais il est content. C'est sympa les cheveux. Donc voilà, ils sont tous contents mes employés les gars hein. Donc personne me... Hein. Voilà, donc sur la gauche on a le Grand Utopia. Toujours, ça ne bouge pas. Donc l'attraction des tacos avec... Petite subtilité, j'ai rajouté des éléments. J'ai rajouté ces petits lampadaires. Vous verrez la nuit. Non, faut qu'on on verra ça la nuit, vraiment, faut que j'arrête avec les lampadaires. Voilà, il y a des lampadaires partout. Vous verrez ça quand il fera nuit. Petite subtilité, j'ai rajouté ici une camionnette Grand Utopia. Et ici, vous le voyez, des façades trompe-l'œil. J'ai trouvé ça assez intéressant avec ici un faux métro qui ne mène à nulle part, évidemment. Et avec une animation. Que voici la voiture. Tout est bien calculé. Tout est bien calculé, c'est totalement réaliste, les amis. Pareil ici, ça se voit pas, mais tout est calculé de ouf. Bonjour monsieur. Alors par contre, j'ai besoin d'avis. J'ai besoin d'avis parce que en fait c'est réaliste. D'ailleurs, petit clin d'œil à My Goodness, créateur de Grand Utopia juste ici. Voilà, c'est vraiment le clin d'œil déguisé. Enfin, personne ne le verra quoi. Juste parce que tout est vraiment, j'ai tout fait pour que ce soit réaliste. Est-ce que, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il faudrait qu'on laisse apparaître ça? Vous voyez? Là au moins, c'est réaliste à 100%. Parce qu'il y a le tracé du machin, puisque c'est un animatronics, c'est de l'animation électrique, etc. Est-ce que je dois le laisser apparaître ou au contraire je dois laisser enfoncer? J'ai peur que ça fasse moins réaliste comme ça. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire les gars, j'ai besoin de vos avis. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit réaliste au maximum. Et comme le parc est quand même relativement tout est relativement cohérent quoi. Donc j'aime bien. Voilà. L'attraction ici, voilà. L'attraction des motos, j'ai enfin amélioré le bâtiment, enfin amélioré. Voilà, j'ai continué le bâtiment parce qu'il ressemblait pas à ça au début. Donc je suis bien content. Voilà, donc c'est un mélange entre caserne de pompiers, caserne de police, on sait pas trop. Il y a des gyrophares de partout, une petite échelle par là. Voilà, des petites lumières aussi par ici, une petite cheminée, toujours sympa. L'intérieur c'est pas habillé. L'intérieur c'est pas habillé. Et ici j'ai rajouté une porte là, voilà, incroyable. Et une échelle. Et une échelle, c'est super. Voilà, j'ai cherché à faire quelques petits détails. Oui, des petits gyrophares aussi sur les véhicules de police. Donc ça fait plaisir. Ah, là c'est ma petite fierté. Enfin, ma petite fierté, je ne l'ai pas fait ce bâtiment. Qui est une caserne de pompiers. Donc en concordance avec la zone. Hein, zone véhicule, zone un peu, voilà. Là c'est les voitures, là c'est la police, pompiers. Donc voilà, j'ai cru que le jeu plantait. Pas du tout, c'est un point de sauvegarde, vous le voyez. Donc voilà, caserne des pompiers que je n'ai pas fait. Mais par contre, tout le reste, je l'ai fait. Donc à savoir les petits panneaux pour dire... Premier soin et toilettes. Et oui, nous avons ici les toilettes. Toujours intéressant, les gens sont contents d'aller aux toilettes. Mais aussi la zone premier soin, la zone secours. Ça tombe bien, c'est une caserne de pompiers. Alors c'est de la façade, hein, c'est du déco évidemment, hein. Y a rien à l'intérieur. Enfin, il y a peut-être du personnel qui travaille dedans. Bon voilà, ça c'est... ça c'est pour le RP. Voilà, mais donc tout ça, vous voyez, c'est la zone backstage derrière. Donc c'est pas encore... Voilà, il y a encore pas grand-chose. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, voilà, s'il y a des petits bobos, il suffira tout simplement d'aller là. Et puis voilà, c'est plutôt cool pour cette partie. Aussi un truc que j'ai capté, donc là c'est la zone est, un truc que j'ai pas fait exprès, mais ici la zone far west, donc mad west, far west, bah en fait c'est le côté ouest. Voilà, c'était pas fait exprès à la base, mais je m'en suis rendu compte. Voilà, j'ai rajouté les panneaux danger, ne pas approcher, zone à risque. Donc ça, j'ai chopé ça sur le workshop. Donc j'ai mis ça de manière logique et cohérente un petit peu partout, sans trop en faire évidemment, mais suffisamment parce que ça reste dangereux par ici. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Il faut que j'enlève ce panneau, ouais. Il y a plus de restaurant là. Non, mais c'est vrai, il y a plus de... Pourquoi j'ai laissé ça? Voilà, ici il y a rien qui a changé pour le coup. Il y a rien qui a changé, mis à part le fait que j'ai tout enlevé. Il y avait cette attraction là, donc le Brutus, qui était d'abord que j'avais mis. Alors au début il était là, ensuite je l'ai mis là-bas dans le fond parce que je savais pas quoi en faire, et ensuite je l'ai mis ici. Et en fait ça me fait chier. En plus tout le monde s'en fout et il est pas bien placé. Donc les gars, vous m'en direz des nouvelles, mais je pense que je vais supprimer cette attraction, malgré que en vrai elle est pas dégueu, mais elle est en trop. Elle est vraiment en trop cette attraction. Bon là elle est en l'air, elle est pas censée être en l'air comme ça, mais cette attraction elle est en trop, je pense. Dites-moi en commentaire, je pense que je vais la dégager. Voilà. Donc en gros il n'y a rien à faire ici, c'est bien dommage. J'ai voulu faire une petite attraction comme dit de train-train enfantin qui fait deux tours.
mais c'est pas possible parce que bah du coup après je vais être trop en déficit pour rien, c'est un petit peu dommage. Pour ce qui est des attractions d'ailleurs, ça fonctionne très bien, hein. 2000 pour les bûches, les mines, je crois qu'on est à 900. Pour ce qui est de Grand Utopia, oula, et frère, c'est quoi ces conneries? Je ne sais pas, c'est pas censé être comme ça. Pour ce qui est des motos, c'est dans le rouge normalement, hein, ça c'est normal, mais ça va remonter. En tout cas, voilà. On va passer à la zone principale, les amis, parce que là, il y a du nouveau, il y a du très très lourd. Évidemment, les lampadaires qu'on verra la nuit. J'ai rajouté le panneau Green L là-haut. Je me suis dit, bah comme en fête foraine, tu sais, voilà. C'était pour le petit plaisir. On avance. On avance, on avance. J'ai hâte que vous voyez la nuit. Donc là, il n'y a rien qui a bougé. Les toilettes à gauche, hein, les lampadaires en plus évidemment. Bonjour, je vais mettre le jeu en pause. Alors j'ai rajouté des lampadaires, je sais plus si j'avais montré ça dans la dernière vidéo, mais des lampadaires qui vont bien avec l'ambiance que j'ai voulu apporter. Donc pour l'attraction Far Cry, l'attraction un petit peu à l'ancienne, chips à l'ancienne. Donc voilà, la fumée rouge, là j'ai rajouté le quatuor vintage, je sais plus si j'avais montré ça dans la dernière vidéo. Un petit éléphant que j'ai chopé sur le workshop, je mettrai en description si j'oublie pas parce que ça vient du même auteur. C'est un français, si jamais tu passes par là mec, je sais pas d'ailleurs comment ça fonctionne, comment tu fais ça, mais t'es juste un crack en fait. Tout ce qu'il fait c'est incroyable, je vais m'abonner à tous ces machins, je vous jure c'est incroyable. Donc voilà. Pour ce qui est de là. Et là la grande roue. Ah oui, alors attendez, petite parenthèse, je m'égare, je vais dans tous les sens. Pourquoi il y a une grande roue? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi il y a... Voilà. En fait, je voulais qu'à l'entrée du parc, et c'est bien dommage, je voulais qu'on ait un aperçu des grandes attractions. Parce que c'est en général comme ça et c'est sympa. J'ai trouvé ça cool. Le Green L, on le voit. Bon là il est pas en action, mais le Green L, on le voit. Et en fait, la tour infernale que vous voyez ici, je vais vous la présenter juste après, je l'avais placée à la place de la grande roue là-bas. Et ça rendait super bien. Bon, le problème, c'est que, si vous regardez, donc là, on arrive à la zone pirate. Bon, là, il n'y avait rien encore avant. Hein, je vous présenterai tout ce qu'il y a de nouveau. Ça a vraiment bien changé. Mais j'avais mis la tour infernale là. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait absolument pas de sens de mettre ça là. Vraiment, c'était pas cohérent. Du coup, je l'ai placé là-bas. Vous comprendrez évidemment pourquoi. Par contre, quand on est à l'intérieur du parc, à l'entrée tout de suite, là, on a une belle vue. Ça fait plaisir. On a le Green L ici. On a la tour infernale là-bas. On arrive à apercevoir... Attendez. Voilà, j'avais perdu l'attraction. On arrive à apercevoir ici le Lost in Space qui fonctionne très très bien également. Et on aperçoit en face de nous la grande roue. Et ça, c'est cool. Donc j'ai ajouté cette fameuse grande roue juste ici. J'ai fait une belle déco. Le problème, c'est que la grande roue, c'est un classique. C'est comme le bateau pirate qui est là. Ça ne fonctionne pas. La grande roue ne fonctionne pas. Tout le monde s'en branle. Voilà. Désolé pour la vulgarité. Tout le monde s'en fout. Et c'est bien dommage parce que la vue est vraiment imprenable ici. Donc c'est un petit peu dommage. Donc j'hésite. Soit je laisse. Dites-moi en commentaire. Pareil, j'ai besoin de vos avis. Soit je laisse la grande roue. Ou soit je mets autre chose. Et je mets ceci. Que vous voyez le breakdance, moi j'appelle ça le breakdance, alors en vrai ça s'appelle voilà le power moves, mais pour ceux qui connaissent le breakdance évidemment, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui gère l'attraction, qui est bien connu maintenant, qui arrête pas de faire le tour de la France hein, à chaque fois, et... Marc, je crois il s'appelle Marc, je sais plus, gros big up à Marc, incroyable le breakdance, bon ça fait très fête foraine forcément, et je le verrais bien, vous avez vu du coup j'ai mis des, je me suis fait plaisir avec ces machins là, je mettrais bien ça là, s'il y a assez de place, à la place de la grande roue, ça pourrait être une idée, vous m'en direz des nouvelles. Et là, je me suis gavé, j'espère que vous serez contents. J'ai tout simplement fait enfin les vrais décors pour ces attractions futuristes. Parce que ça manquait quoi, ça manquait de quelque chose, il y avait du vide de partout. Et donc là, ces choses faites. Alors ici, j'ai fait une boutique souvenir en mode futuriste. Donc il y a plusieurs boutiques souvenirs, une dans la zone pirate là-bas. Même là d'ailleurs, tout ça c'est... mais ça c'est pas moi qui l'ai fait du coup. Dans la zone un peu future et principale, hein, c'est un mélange de deux zones, la zone principale, avec le carrousel juste ici également. Mais vous voyez, alors ça, ce bâtiment, je suis reparti d'un truc qui existait et je l'ai recustomisé. Hein, donc c'est quand même un petit peu ma patte. Et puis la boutique souvenir là-bas quoi, tout simplement. Donc ça fait quand même pas mal de petites boutiques souvenirs bien dispatchées comme il faut. Le blackout, l'entrée. Le blackout, c'est cette attraction ici, je l'ai pas renommé. Et puis là, le looper, pareil, je ne l'ai pas renommé. L'entrée est juste là. Et les deux sorties sont ici. Je vais vous montrer, on va faire la queue parce que je suis bien content. On va commencer par le looper. Hop, donc tu rentres par là. Tac, là tu peux un petit peu apercevoir l'attraction, mais le but c'est qu'on soit un petit peu enfermé. Il y a un petit peu de fumée partout. On arrive là. Voilà, c'est sympa, hein. C'est sympa.
Je mets le jeu en pause parce que ça me bourre le crâne, je suis désolé. Donc là, avec un petit animatronics. Donc vous voyez, tout est bien, bien comblé. Voilà, on passe par ici. On voit pas ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe derrière? Une zone backstage que je vous montrerai, je suis trop content. Trop content. Donc vous voyez, on est bien enfermé comme il faut, mais en même temps, on peut respirer. On est à l'abri du soleil. Alors comme dit, en fait, si le soleil tape là-dedans, je pense qu'on a très chaud, à vrai dire. Et donc voilà, on rentre ici. Bam. Et j'ai mis des projecteurs aussi. Alors ouais, les gars, je me suis gavé. Hein. La sortie juste ici. Hop! La sortie qui rejoint l'autre sortie, j'ai mis des bancs. Il y en a qui ont vomi. Bon bah écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein. On est tous humains. Voilà, la sortie juste là. Hop, c'est magnifique, ça c'est le looper. Pour ce qui est du blackout, et bah le blackout c'est tout aussi génial. Voilà, regardez, j'ai varié les décors, hein. C'est pas toujours les mêmes, hein, forcément, en mode futuriste, mais voilà, j'ai varié. Voilà, avec des petites particules, un animatronics assis. C'est incroyable. Voilà, je suis content, vous m'en direz des nouvelles. Je mets pause. Là, je n'ai pas fermé pour la simple et bonne raison que bah, ça concerne encore la zone futuriste. Donc comme ça, les gens pourront nous voir. Là, on a l'attraction Objectif Mars, Lost in Space, pardon. Là, on voit la tour infernale. Voilà, on voit tout le monde ici, donc c'est plutôt pas mal. Les gens ici nous voient y faire la queue, donc c'est relativement sympa. Hop, on finit la queue par ici, on rentre dans l'attraction. C'est super. J'ai rajouté donc des flammes, il y a les flammes à l'arrière. J'ai rajouté des flammes à l'avant, voilà, pour les petites animations. La zone backstage juste ici, je vous la montre. Donc là c'est la sortie de la grande roue. La zone backstage ici, donc pareil, accès interdit au personnel non autorisé. Regardez comme ils sont contents. Ils sont heureux ou pas? Entre nous, en vrai, ils sont heureux. Ils sont heureux de ouf. Les petits tacos juste ici, enfin les tacos voilà, les caddies de golf. Avec une maison des employés ici que je n'ai pas faite, et une autre maison des employés ici que je n'ai pas faite. Mais comme c'est caché derrière, on s'en fiche. Total. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est le... Oui, parce que j'ai embauché un... un animateur robot que j'ai demandé qu'il aille que dans la zone futuriste. Enfin, voilà, j'ai géré mon parc aussi, je vous montrerai. Donc voilà, les bennes ici, des petites fleurs, des cartons. Voilà, pour les chargements, il se passe plein de choses, on ne sait pas trop quoi. Et puis voilà, peut-être que derrière, je mettrai la fin du parc avec une route, etc. On verra, on n'en est pas encore là. De toute façon, c'est pas accessible au public ici. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée, donc je suis bien content. La zone pirate, j'ai rien retouché, si ce n'est que j'ai rajouté ici un squelette. Formidable, mais je n'ai rien retouché. Si j'ai ajouté cette arche et cette arche là, c'est tout ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. Ah si, j'ai rajouté ce bâtiment là que je n'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait, hein. Mais j'ai fait beaucoup de choses quand même, hein, les gars, hein, qu'on se le dise, hein, vous le voyez, hein. Donc voilà, là on peut continuer pour la zone futuriste par ici. Donc voilà, avec c'est pas une zone backstage, mais vous voyez, c'est pour le personnel. Donc le personnel, enfin c'est pour le RP, hein. En vrai, il y a personne qui va là, mais c'est pour le RP. J'ai rajouté des étoiles au sol, évidemment ce n'est pas le vide, vous le savez, ce sont des tapis. Voilà, donc on a une belle petite vue par ici, avec toujours le restaurant, le Mexcelente ici. Et puis là, il n'y a rien qui a bougé, hein, tout simplement. Non, là, il n'y a absolument rien qui a bougé. Bon, là, j'ai rajouté les décors, mais il n'y a rien qui a bougé. L'objectif Mars, toujours présent, toujours là. La petite subtilité, d'ailleurs, écoutez la musique. Ceux qui connaissent Lost in Space, écoutez. Voilà. Les droits d'auteur, merci. Ça me fait pleurer, cette musique. Voilà, j'ai envie de regarder Lost in Space de nouveau, alors que je viens à peine de le finir. Et puis là, cette attraction qui n'a pas de nom, l'ascendance, là, oui, bah la tour infernale, hein, tout simplement, la tour infernale qui a un franc succès, en fait. J'avais pas capté. Elle a un franc succès, il n'y a pas de décor. Je pense qu'il n'y a pas besoin de décorer en soi. C'est très classique. Voilà, parce que c'est une tour infernale et que c'est voilà, c'est caché dans les rochers. Donc c'est bien sympa. J'ai rajouté des petits néons. Ça, il faut pas regarder, ça vole, hein. Mais il faut pas regarder, ça se voit pas. Mais voilà, des petits néons pour la lumière la nuit, donc ça rend super sympa. Enfin, des lasers, pas des néons. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. La vidéo va vraiment durer une heure. Non, même pas. On a réussi en 20 minutes pour vous montrer tout ce que j'ai fait de jour, donc je suis content. Je suis forcément passé à côté de certaines choses. Je ne saurais vous dire lesquelles. Là, ici, il y a toujours le point d'information qui reste fermé, parce qu'en vrai je pense pas l'ouvrir vu qu'il n'y a pas de fil prioritaire. On verra si je mettrai des fils prioritaires, mais vous voyez que ça risque d'être assez compliqué de faire des fils prioritaires sur les attractions déjà faites, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas voilà, j'ai hâte de vous lire, répondez à toutes les questions que je vous ai posées. Je vais vous montrer de nuit, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, mais je vais vous montrer de nuit. Alors attendez, elle est où l'entrée, frère? Je suis perdu. Elle est là, donc hop, on va mettre... Alors le parc ferme à 18h, hein. Le parc ferme à 18h, donc on va se mettre à 18h. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Messieurs, dames, je crois que c'est relativement sympa, hein. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, on voit le Grinnell juste là. Bien sûr, à gauche, j'avais oublié de vous montrer, mais on a une vue
sur l'attraction des mines. Bon, du coup, il fait nuit, donc on voit rien. Voilà. Mais voilà, c'est incroyable. C'est la petite subtilité. Et regardez de nuit comment c'est joli, les lampadaires, ils éclairent super bien, vous allez voir. Donc là, on va rentrer évidemment de nouveau dans le parc. Donc là, j'ai mis des petites lumières de différentes couleurs. Les couleurs principales du parc, le vert et le bleu. Un peu de blanc, un peu de rouge. Mais c'est surtout le vert et le bleu, vous l'aurez compris. Voilà. Hop, après, on a besoin d'éclairage, donc les lampadaires sont blancs, hein, évidemment. Donc, j'ai envie de me mettre en vue Tedcam. Tégide. Cam. Bien sûr, non mais frère, mais c'est abusé ça. Mais pourquoi il me TP à l'autre bout de la planète, frère? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tégide Cam. Voilà. Voilà, donc du coup, bienvenue dans le parc. Super bien éclairé, je suis trop content parce que souvenez-vous, il y a quelques épisodes de cela, j'étais en galère. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour la lumière? Et ben voilà, chose trouvée. Là, on voit les lasers, la tour infernale. Ça donne envie quand même, hein, ça donne envie. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a une vue globale là-bas, on voit la grande roue pour vous montrer sur le côté droit. Alors, il y a des trucs qui sont pas allumés, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Voilà. Les petites fleurs ici. La zone backstage. Vous voyez, il fait un petit peu sombre, mais on voit très très bien. Le petit arbre là pour le Grand Utopia, c'est sympa. Hein, la file d'attente, je me suis fait plaisir. Donc voilà. Les lampadaires jaunes pour Grand Utopia. Donc à la base, c'était les lampadaires verts. Vous m'aviez suggéré de prendre ces lampadaires pour le Grand Utopia. Donc je l'ai fait et je les ai mis en jaune pour faire clin d'œil évidemment à Grand Utopia. Là, je marche sur le parcours, c'est très dangereux. Ne le faites pas dans la vraie vie évidemment, je fais partie, voilà, je suis le patron quand même du parc. Donc j'ai le droit de le faire. Voilà, c'est sympa hein. C'est sympa. Allez hop, je vais me faire écraser. Bonjour, bonne journée, au revoir. Donc voilà, ici boutique pour manger, boire, les petits soins par là, petit éclairage. Et puis voilà, la caserne des pompiers. Là ça manque encore de lumière, je sais pas trop encore comment faire en vrai. Ah mais si, je vais pouvoir mettre un lampadaire là, je pense. Juste là, je mets un lampadaire. Je mettrai un lampadaire là et la réponse est voilà, solution trouvée. Merci à tous. Voilà, ensuite, on va... Oh là, le Grinnell qui fait plaisir. Je suis très content du parc. Je suis très content du parc. J'ai hâte de vous lire. Mais vous savez pas à quel point. Hein. Le Far West, j'ai rien changé, j'ai rien retouché. Donc ça sert à rien d'y aller pour la nuit. Là, j'ai ajouté les lampadaires comme au Grand Utopia, mais en vert. Et puis là, pas mal de lumière parce que c'est zone de restauration. Donc... faut quand même qu'on voie quelque chose. Pareil ici, j'ai mis les petites lumières sous les tables de pique-nique. Là, faudra que j'agrémente avec des petites lumières, je pense. Ouais, on mettra des petites lumières au niveau de l'eau. Dans l'eau même, on pourra mettre des lumières dans l'eau, tiens. Hey, vous en pensez quoi? Ça peut être une bonne idée, ça. Voilà, bien sympa, bien éclairé. Les toilettes également, très bien éclairées, c'est très important. Les toilettes, c'est un peu une zone sombre, donc faisons gaffe quand même. Il peut se passer plein de choses. Voilà, lampadaire sur le pont, magnifique. Et voilà, niveau éclairage, on n'est pas trop mal. Regardez. Regardez le blackout avec les flammes que j'ai rajoutées devant. Là, franchement, vraiment au top. On est arrivé au bon moment. Voilà, je suis très très heureux. Je suis très heureux, je vais pas vous mentir. Ça rend super bien, le coucher de soleil derrière en plus. Donc voilà, ça rend très bien. On voit pas trop la fumée, c'est dommage. Vraiment, il y avait de la fumée. Ah, on la voit là. On voit un peu la fumée là, si on la voit. Faudrait que j'en rajoute de la fumée, je pense. Je rajouterai de la fumée. Voilà. Alors là, ça manque d'éclairage. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Alors là, le robot, il va dans la zone futuriste. Hein. Bah voilà. Oh, la lune. Je l'avais jamais vue sur le jeu. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai hâte... Merde, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Bien sûr. Alors attendez, j'ai oublié un détail. Est-ce que tu peux te lever, mec? Merci. J'ai oublié un détail. Là, d'ailleurs, je sais pas quoi mettre. Parce que le problème, c'est que les lampadaires là, c'est bien mignon. Mais je trouve que ça casse un petit peu tout. Bah, je pense que je mettrai les lumières au sol. Ouais, je mettrai les lumières au sol comme je l'ai fait là. Hein, plein de lumières au sol. Et puis, je vais juste le faire avec vous pour pas que j'oublie de placer un lampadaire, ce que j'avais suggéré à moi-même, ici. Je pense que c'est une bonne idée. Après, le problème, c'est que c'est à... Ah, mais ça fait mal aux yeux, là. Hein. On est d'accord, les amis, que c'est pas une bonne idée de faire ça. Bah, en fait, tout simplement, je vais mettre... Ouais, je suis débile. Non, mais je suis débile, regardez. Tac, et puis je peux même, genre, dire que je l'enfonce là. C'est déjà une bien meilleure idée. Parfait. J'ai découvert un truc sur le jeu au bout de je ne sais combien d'heures de jeu et c'est ce qui m'a permis de beaucoup m'améliorer. Enfin, je trouve que je me suis amélioré, que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis un petit peu idiot, mais c'est bien, il faut en apprendre tous les jours. C'est tout simplement qu'on pouvait choisir une option qui est incroyable et qui est la suivante.
aligné à la surface et aligné sur position. Ces deux options là je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais utilisées et ça te permet de faire des dingueries et de gagner du temps. Parce que voyez-vous, là vous voyez, voilà, si je veux mettre ces lampadaires, ils s'adaptent parfaitement à la surface. C'est la base, tu vois. C'est la base de faire ça. Et voyez l'appareil, là, il s'adapte automatiquement. Sauf que moi ce que je faisais depuis le début, tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces derniers temps en tout cas, ce que je faisais c'est que je venais là avec ce fameux machin et je le plaçais, vous voyez, il s'aligne pas là. Il s'aligne pas et je le plaçais moi-même. Alors en général j'avais de la chance parce que c'était en général droit. Là voilà, j'ai de la chance, là j'ai de la chance. Mais c'était pas souvent comme ça, donc pareil ici ce que je faisais souvent c'était ça, ça et ensuite ça. Par exemple. Ça je l'ai fait beaucoup trop de fois et ça m'a changé la vie, donc je suis trop content, je voulais vous partager cette bonne nouvelle. Voilà les amis, j'ai hâte de vous lire. Dernier truc encore, ça va très vite, pour vous dire que j'ai embauché un nouvel animateur en plus du robot. C'est une femme pirate qui est dans cette zone pirate, donc sauf si elle est au repos, je ne sais pas. Où c'est qu'elle est la coquine? Où c'est qu'elle est la coquine? Je ne sais pas, mais elle est là en tout cas. Elle est bel et bien là. Elle est là, voilà, elle est là. La voici, la voilà. Madame et le monsieur juste ici. Et il fait plaisir à tout le monde. Voilà en tout cas les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, j'ai besoin d'un maximum d'encouragement. Je suis trop content parce que j'étais à deux doigts de recommencer un nouveau parc alors que j'en avais pas spécialement envie parce que j'ai pas envie d'abandonner ça, tellement je suis content. Et en même temps, bah, j'en avais marre parce que je me sentais bloqué. Et là, je me suis débloqué parce que, bah voilà, grâce à mes découvertes, grâce aux ajouts, aux zones backstage, tout ça, ça m'a remotivé, ça m'a reboosté. Grâce à, voilà, tous ces décors que j'ai pu rajouter ici qui rendent vraiment le tout sympa, ça m'a reboosté et maintenant je sais vers où aller. Et ça, c'est vraiment cool. Donc tout est possible, croyez en vos rêves. Voilà, vous me direz hein, si je mets la grande roue, si je l'enlève ou si je mets ça à la place. Ça, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, donc je ne sais pas, vous m'en direz des nouvelles. Allez les amis, plein de bisous, bon dimanche à vous, bonne semaine, bon courage, bientôt les vacances, ciao tout le monde.